Coucou la famille. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, j'ai acheté pas mal de nouvelles sapes. Donc je vais vous montrer tout ça et on y va maintenant. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce parce que ça m'encourage toujours plus et aussi à lâcher un petit commentaire, voilà. Je vous fais des gros bisous. Du coup je filmais avec mon portable parce que j'ai pas encore de caméra comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. Donc là je vous montre, c'est ma petite tenue du jour, petite tenue que je mets, j'aime trop mettre ce genre de truc en fait, un petit pantalon basique, un petit sweat Nike, lui je l'ai en noir et en gris. Bah d'ailleurs celui-ci c'est un nouveau, je vous mettrai les liens de façon en barre d'infos des vêtements que je peux retrouver. Donc ça c'est un sweat Nike du coup, assez ample comme ça. Je le porte en XS parce que de toute façon il est déjà super ample, j'aime trop trop trop, du coup je l'ai aussi en noir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça c'est un petit jean mango, voilà, coupe droite, basique aussi, à voir, qu'on peut mettre en été, en hiver. Et mes petites choses que j'aime tant, elles sont trop belles. Voilà, Nike toujours basique, avec les chaussettes Nike basique. Voilà, donc ça c'est la petite nuit du jour. Nouveau sweat et je vais vous montrer le reste. Donc là c'est le même petit jean avec un petit t-shirt rose. Je suis trop dans le rose, dans le vert pastel, dans le... Je sais pas, dans la couleur pastel et très dans le rose, très girly en ce moment. Donc voilà. C'est un petit haut qui vient de Asos, c'est la marque Asos en plus. Avec du coup mon petit jean, toujours mango. Que j'aime trop trop trop, coupe droite. Et du coup mes petites docks. La base. Voilà. Je vais pouvoir mettre aussi avec une petite doudoune, je vais vous montrer ça. Donc ça pareil, la doudoune c'est une nouvelle, j'ai acheté sur Pretty Little Thing. J'essaye de pas bouger en même temps parce que sinon ça fait ça. En fait j'en voulais une noire comme ça, assez épaisse, en mode un petit peu bombers mais un peu plus grosse et assez courte aussi. Et j'en ai trouvé nulle part à part sur Pretty Little Thing. Il y en avait une sur Asos trop trop belle mais indisponible, donc j'avais trop le seum. Du coup j'ai pris celle-ci mais je sais pas, je me tâte. Je sais pas si elle me va bien ou pas, sachant que du coup les boutons, les fermetures sont en argenté et bah moi je porte quasi que du doré quoi. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. Donc voilà la petite doudoune, après elle est sympa, hein. C'est vraiment le genre de style que j'aimais bien quoi. Elle est courte, elle est un peu, bon après la cali, hein, de toute façon c'est Pretty Little Thing quoi. C'est voilà, c'est pas super épais, mais ça fait son petit charme quoi. Et bien sûr... Pour se la péter, hop, tac. Voilà. Petit, mais un peu différent, mais toujours un peu simple et mimi, quoi. Donc du coup, ce petit t-shirt-là, c'est Mouna et Vivi, mes deux potes qui me l'ont offert pour... enfin, ce petit t-shirt, ce petit top, plutôt, qui est un peu sexy mimi. Offert pour mon anniversaire, et je suis trop contente, parce qu'en fait, j'achète pas trop de couleurs, je suis plus en mode basique. Sauf que j'aime trop, déjà j'aime trop le vert, j'aime trop la couleur et j'aime trop qu'on m'achète des trucs que moi je penserais pas forcément acheter. Donc je suis trop trop contente, voilà. Donc là c'est une tenue assez simple, on pourrait le mettre comme ça, ça fait simple mais j'aime trop trop trop. Enfin simple mais mini quoi. Donc là c'est un autre jean, c'est un Zara. Donc il est un peu moins serré, il est un peu plus ample. Toujours avec mes docks du coup à plateforme. La petite base quoi. Alors là, du coup, ça va être une autre possibilité de porter le petit haut. Putain, on dirait que je vais aux vacances, mais pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il fait un petit peu vacances, quoi. Je pourrais pas le mettre maintenant, étant donné qu'il est un petit peu ouvert. Mais j'aime trop, quoi. J'aime trop. Du coup, j'ai mis un nouveau petit pantalon aussi. Donc ça, c'est nouveau. Je l'ai acheté sur Asos, il me semble. Voilà, avec le petit haut. Pareil, un nouveau petit sac. J'aime trop, trop, trop. C'est un baguette avec la petite chaîne dorée. Donc voilà, avec la petite chaîne dorée, trop mims. Le pantalon, j'aime trop comme ça parce que je trouve que ça fait une trop trop belle silhouette. Ça allonge. Et du coup, j'ai mis des petites bottes. Alors celles-ci, elles sont trop belles. Donc c'est une imitation d'une marque, je sais plus ce que c'est. Mais elles sont juste magnifiques, quoi. Elles font très, très années 70. J'ai l'impression, vous savez, j'ai l'impression de ressembler à qui ? J'ai l'impression de ressembler à Sam dans la Totally Spice. Et si on veut clôturer le look, petite lunette. Vraiment comme si on allait en vacances quoi. Voilà. Petit look.
Autre petite tenue du coup, full black. C'est pour ça de base que je voulais trop une petite doudoune comme ça, parce qu'avec un petit pantalon comme ça, des petites choses comme ça, ou franchement même mes docks, trop trop beau. Le petit sac baguette. Vous pouvez aussi le mettre avec un col roulé, donc peu importe, un petit pull noir, un crop top, tout. Ça pareil, c'est un nouveau parce que en fait j'en avais un autre de pantalon comme ça noir, en fait c'est un peu un cargo. Mais trop grand, du coup j'en ai racheté un. Pareil, je vous mettrai bien, je sais plus si c'est un Bershka, puis une bière, bref, un truc comme ça, il a coûté 20 balles, un basique. Et j'aime trop le mettre comme ça avec des grandes, des grosses bottes en fait. Celle-ci c'est des H&M. Je trouve que ça fait un peu façon mode armée quoi. Un peu comme si j'allais à l'armée. Et pareil, nouveau petit t-shirt. Ça du coup c'est un Stussy, j'aime trop trop la couleur en fait. J'aime trop les couleurs pastel, donc c'est un Stussy. J'ai acheté sur Galerie Lafayette des Champs-Élysées, il était en promotion. Efficace. Ou j'aurais pu le porter comme ça. Donc un peu plus streetwear. Ça pareil, c'est des nouvelles petites TN du coup, que mon copain du coup Adrien, bah, il m'a acheté pour mon anniversaire. Je suis trop à fond sur les TN en ce moment. J'aime trop les TN. Et du coup celles-ci elles sont trop stylées. Elles sont blanches avec des petits liserés comme ça. Autre style du coup avec les petites TN. Tout aussi stylées. Autre petite tenue, donc ça c'est un sweat. Normalement il est comme ça. Il est très très large. Je crois que c'est un taille... je crois que c'est un homme. Alors j'aime trop faire ça. De toute façon je vous mettrai le lien, vous verrez de ce que je trouve. Le Stussy aussi c'est un t-shirt homme en fait, parce que j'aime trop porter des trucs loose. Enfin j'aime trop. Là l'été j'aurais pu porter avec un petit cycliste. Trop stylé. Un peu dans le pantalon, tac. Pareil, je peux le mettre avec une petite paire de TN, des Air Force, mais rose blanche. Mais je peux le mettre aussi avec des petits talons comme ça. Voilà. Eux ils datent de ouf. C'était des Zara d'une ancienne co. Mais j'aime trop le style. Donc comme je vous ai dit, c'est pas mal de basiques. En fait, je pense que mon style, c'est principalement basique simple. Parce que j'ai beaucoup de basiques Nike, j'ai beaucoup de suites, j'ai beaucoup de jeans coupe droite. Des bons basiques, quoi, en fait. C'est des fois, je m'autorise à faire un peu des folies, mais je sais pas comment je... Je sais pas quel mot mettre sur mon style, parce que je peux être un peu streetwear, je peux être aussi classe, je peux être... C'est un Nike, j'ai trop kiffé sur la couleur, autant vous dire, hein, j'aime trop le rose, donc la rose bonbon girly parfait. Ça c'est un jean que j'ai acheté il y a trop longtemps. Sur Vinted, c'est un Levi's, il est un peu grand pour moi, mais franchement c'est... Enfin, premier Levi's, du coup il est trop dans mon cœur et j'ai pas envie de le têche. Voilà, le petit look. Ça pareil, je crois que c'est un t-shirt homme. C'est un t-shirt homme, je sais plus où est-ce que j'ai acheté, mais il y avait une promo et bah, pendant les soldes où c'était genre deux achetés à 35€, un truc comme ça. Voilà, mais je crois que c'était homme, ouais. On est toujours sur le même pantalon, nouveau petit sweat. Je l'ai acheté sur Asos, il fait très old school, tout ça, donc j'aime trop, voilà. Je le mets un peu comme ça avec un jean. Ce que j'aime trop faire aussi, c'est quand je porte une couleur, genre là par exemple, on voit que le bleu il est un petit peu dominant, j'aime trop porter mon petit chouchou comme ça. Par exemple, quand je mets un petit t-shirt rose, généralement j'ai mon petit chouchou rose. Voilà. D'accord, de quoi ? Basique, on porte simple. Et je vous montrerai aussi comment on peut porter un peu plus classe. Voilà, du coup, dernière tenue. Si on veut être habillé un peu mieux, mais sans se prendre la tête, être quand même cosy. Donc voilà, petit pull, petit pantalon noir Zara. Celui-ci, j'ai toujours douté à le renvoyer. Bon, maintenant c'est mort, bien sûr, mais en fait, je sais pas, j'ai pris la plus petite taille, mais ça se voit qu'il est un peu grand, quoi. Après, je me dis, vu que je resserre bien la taille, ça va. Ça me bouffe quand même pas trop ma taille. Mais j'ai toujours douté. J'aurais mis comme ça, du coup. Petit pantalon qui fait un peu large, un peu comme, bah, comme le pull, du coup. Et petit talon. Ah, donc c'était la dernière tenue les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, du coup bien sûr toute bonne remarque. Gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous.